Carton jaune pour l'attaquant de Crystal Palace. Et la remise en jeu, puisque le ballon était en jeu, il n'était pas sorti. On parle souvent de match amical, mais il y a quand même de la compétition, bien sûr, chez les joueurs. Lato. Tony Lato, Antonio Latorre de son nom complet, mais l'Espagne en aime bien raccourcir. Double surnom, prénom et nom. Et le ballon qui est perdu par le milieu de terrain de Valence. En deux temps, il essaye de se reprendre, c'est bien fait. Et l'accélération de Medrane pour alerter dans la surface son attaquant. Mais signalé en position de hors-jeu. Elle a bien enchaîné pourtant Alcacer en mettant ce contrôle pied droit et frappe pied gauche. Mais c'est passé à côté. Semble-t-il, hein. Légère position de hors-jeu. Ouais, c'est ce que réclamaient les défenseurs de Crystal Palace. Et la position du ballon de Enesi, il semble que ce soit juste un 6 mètres. Il avait bien emmené son ballon, Paco Alcacer, mais. Sur sa frappe du gauche, il a mal ajusté le gardien. Il n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Un peu en déséquilibre. Pour résumer, ça construit du côté de Valence et ça contre-attaque du côté de Crystal Palace. Ouais, les Anglais ont les joueurs pour avec Bolasie, oui. Uza et Townsend. Oui, Cam avec Bolasie. Il est bien entouré encore Bolasie. Punch-on, la perte de balle. Et ça va vite du côté de Valence avec Santimina. Ouais, il a du champ, la montée de Lato. Encore avec Cartabia. Ouais, qui est repris par Andros Townsend. Ah, il fait du bien ce Andros Townsend. On sent qu'il a de la technique. De la technique en mouvement surtout, attention. Et encore pour Alcacer dans la course. Toujours de l'attaquant. Pas de hors-jeu. Et ça fait deux fois que la défense est prise de vitesse. Petit ballon piqué par-dessus la défense de Santimina. Ouais, du bout du pied, il arrive à contrôler ce ballon. La frappe enchaînée, il était bien sorti, Wallensi, pour concéder ce premier corner de la partie. Très belle action d'attaquant de Paco Alcacer. Contrôle aérien, frappe dans la foulée. Premier corner pour Valence. L'envergure de NSI qui fait la différence sur cette action. Et le ballon qui va sortir une nouvelle fois, deuxième corner consécutif. Le gardien gallois vient de réclamer le 6 mètres et en levant la main simplement, il était déjà à hauteur de la barre transversale. Et cette fois, on le joue court, on joue au ras du sol. Deuxième poteau, il y a du monde et la tête de Santos, mais ça passe encore au-dessus.